Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut inquiet et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant, allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever et précéder. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Et entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. La fête de l'Épiphanie, c'est aussi Dieu qui quitte ce peuple choisi, qui est le peuple des Juifs, pour rejoindre son monde païen. Si bien que le sens des lectures que nous venons de lire nous font comprendre que les premiers adorateurs de ce Dieu d'Israël, ce Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour sauver son peuple, étaient des hommes connus d'ailleurs. Ils sont symbolisés par les manches. Mais quelques petites choses pour pouvoir comprendre, peut-être quelques petites clés, pour pouvoir comprendre les textes que nous venons de lire aujourd'hui. Partant de la première lecture, un mot a attiré mon attention. C'est le premier mot de la première lecture. Deux. Pourquoi Isaïe commence par ce mot? Deux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où ils sont assis, où ils sont couchés. Quand il dit à ton enfant debout, ça ne veut pas dire qu'il est debout. Ne comprenons pas littéralement ce mot ainsi.
Figurez-vous, qu'au moment que Isaïe dit à son peuple, Jérusalem, debout, ce peuple a été anéanti par les nations voisines, par ces peuples moyens qui sont autour. Jérusalem était assiégée. Voilà. Et comment tu peux dire qu'un camp qui est dans une domination totale de se lever? Il semble que c'est peut-être un sabotage. Comment Isaïe, qui remarque et qui constate que son peuple est dominé, et sous la voix des autres, lui disent debout. Il lui dit debout. Parce que le Seigneur est avec lui, il faut qu'il revienne et redonne confiance à son Dieu pour que Dieu puisse lui rendre fort. Il le dit à notre ne demeurez pas dans une défaite. Avec Dieu, jamais de défaite. Si bien que nous autres, qui entendons ces paroles d'Isaïe, peut-être nous sommes préoccupés. Peut-être les soucis de la vie sont en train de nous accabler. Peut-être nous sommes découragés par les contraintes de la vie. Puissions-nous écouter Isaïe pour qu'il puisse nous régénérer de l'intérieur, pour que nous autres nous puissions comprendre que de faire confiance en Dieu nous permet de nous relever. Que ces paroles qu'Isaïe nous a adressées aujourd'hui ne puissent pas être des paroles de jadis, mais des paroles d'aujourd'hui qui doivent nous aider à vivre. Voilà la première chose que Dieu, par les mots d'Isaïe, nous encourage à poursuivre la route, mais pas tout seul avec notre Dieu. Les soucis de la vie seront toujours là. Quand il a dit à Israël, debout, à Jérusalem, debout, ça ne veut pas dire que les autres sont partis. Ceux qui sont là, ceux qui sont venus assiégés sont partis. Non, ils sont là. Mais faisons confiance en Dieu. Ne soyons pas, nous autres qui sommes croyants, des personnes défaites.